Harceler le plus important, ce qui nous blessera moins, c'est quand on est autour de beaucoup de personnes avec beaucoup d'amis. La personne qui harcèle, et donc pour elle, pouvoir embêter les autres, ça lui montre qu'elle a quand même du pouvoir. Mais sans trop savoir ce qui se passe derrière pour l'autre personne. On sait pas qui c'est, forcément. Ça peut être un pseudo. Quand on est harceleur, on se pose pas forcément des questions sur ce qu'on fait, on écrit des messages, puis voilà, c'est tout, ça part. Voilà. Si on garde ça au fond de soi, ça peut entraîner beaucoup de conséquences. Faut surtout en parler, parce que sinon, tu vas pas réussir à t'en sortir. Si tu continues à rester enfermé sur toi, t'auras pas le monde autour de toi qui te permet de te rassurer. Faut en parler. Parler à tes parents. Même à des copines. À mon tonton, à mon parrain, à mon frère, à mon cousin, à ma cousine. À la police si c'est vraiment grave. Les amis de confiance. Toutes tes peurs, tes problèmes, ils seront dans ton corps. Et c'est ça, des fois qu'il faut les évacuer, faut en parler. Y a que ça à faire. On peut se protéger en essayant de plus y penser, surtout plus y penser, ne jamais ou éteindre son téléphone quand t'es chez toi. Comme ça, c'est de se détendre. Tous les sites comme Twitter, Facebook et YouTube, on peut se défendre. Il y a l'application Stop Bashing. Par exemple, quand on reçoit un message, par exemple un message blessant, il y a une petite icône où on peut envoyer le message à un parent ou à quelqu'un et la personne répond par un smiley d'une couleur verte, orange ou rouge et après elles voient ensemble ce qui va pas. Il y a des parents, ils veulent faire plaisir à leurs enfants parce que les grands ont des téléphones, ceux qui vont leur offrir un, mais ils se rendent pas forcément compte des conséquences qu'ils peuvent avoir derrière. On a simulé pour montrer aux gens ce que ça peut faire des conséquences en fait. Eux, ils sont pas forcément au courant ce que les enfants ils se passent sur internet. Ceux qui voient ça, j'espère qu'après ils seront transformés. Pour pas que les gens d'après fassent comme maintenant. Mais c'est bien à la ville d'agir contre ces choses-là. Le cyberharcèlement, parlons-en.